Les alertes en cours. Nous sommes en alerte numéro 2 qui a été déclenchée justement sur Belep. L'alerte numéro 1 reste toujours en vigueur sur le reste de la province nord, y compris sur le nord de Pouya. Le reste de la Nouvelle-Calédonie est maintenu en préalerte cyclonique. Donc la consigne demeure, soyez très vigilants, soyez très prudents, ne sortez pas, rangez tout ce qu'il y a autour de vos habitations et restez surtout bien branchés, écoutez toutes les radio sur l'évolution de cette dépression tropicale forte qui est en train de rentrer dans nos eaux calédoniennes. Bonjour et bienvenue dans les coulisses de la science. Aujourd'hui, je vous propose de nous rendre à la station Météo France de Nouvelle-Calédonie à Nouméa pour découvrir comment sont élaborées les prévisions météo. Nous allons justement à la rencontre des météorologues et des climatologues qui étudient à l'aide d'instruments de mesure très performants les variations climatiques depuis différentes stations de mesure disséminées sur tout le territoire. Vous apprendrez également comment sont déclenchées les alertes cycloniques en liaison avec la sécurité civile. La météo en Nouvelle-Calédonie, c'est tout de suite. Pour commencer, je vous propose d'aller à la rencontre de M. Fraissinet, directeur de Météo France Nouvelle-Calédonie, qui va nous expliquer qu'est-ce que l'on entend exactement par météorologie. Alors, la météorologie, c'est l'étude des phénomènes atmosphériques et avec deux buts principaux. D'une part, accumuler un certain nombre de données pour faire des études statistiques et avoir une base de données des différents paramètres observés ou mesurés, c'est ce qu'on appelle la climatologie. Et d'autre part, ce qu'on connaît peut-être un peu plus, c'est la prévision météorologique, la prévision du temps à toutes les échelles, que ce soit la prévision immédiate dans les quelques heures qui viennent, à la prévision à court terme pour les jours qui viennent, jusqu'au scénario climatique pour l'évolution du climat. L'homme s'est toujours intéressé en fait au temps qu'il va faire pour les jours qui viennent. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir de la prévision. Et puis, on a besoin aussi d'avoir de la climatologie pour, à partir de la connaissance du temps passé, prendre après les meilleures décisions sur un certain nombre de domaines, que ce soit en agriculture, en BTP, etc. Alors en fait, il y a trois grands métiers vraiment dans la météorologie. Tout commence par l'observation. Et puis, ces données-là sont collectées. Vont rentrer dans des modèles. Donc là, vous avez en fait après des supercalculateurs qui vont exploiter ces données-là, en sortir des données de modèles. Le deuxième grand métier après, c'est le métier du prévisionniste, donc la prévision météo, qui consiste à analyser ces modèles-là pour en sortir des prévisions de temps sensibles qui soient compréhensibles par les divers usagers, que ce soit le grand public, la sécurité civile, l'aéronautique, etc. Et puis le troisième grand métier, c'est la climatologie, qui consiste à archiver après toutes ces données pour en constituer après des bases de données qui permettent divers usages pour l'agriculture, le BTP, etc. Pour comprendre le temps qu'il fera demain, il faut déjà comprendre le temps qu'il fait aujourd'hui. Une bonne prévision nécessite donc une bonne observation. Nous allons maintenant suivre Madame Leroy, chef de la division d'observation. Elle va nous expliquer comment et avec quel outil Météo France recueille les données. Je vous laisse découvrir tout ça en images. Alors, les appareils qui sont ici servent à réaliser des observations de différents paramètres atmosphériques. Notamment donc on mesure ici la pression, la température, l'humidité, le vent, sa force et sa direction, et puis le rayonnement solaire global. Alors, au niveau mondial, il y a des normes de mesure qui existent pour que les observations soient comparables les unes aux autres. Et donc lorsque nous réaliserons des observations à Nouméa, nous nous conformons à ces normes-là. C'est important qu'on effectue les mesures de la même manière à Nouméa qu'à Melbourne ou qu'à Toulouse pour que les modèles soient alimentés de la même manière. Cet instrument est un pluviomètre.
Il sert à mesurer les quantités de précipitations qui touchent le sol. Son fonctionnement est relativement simple. La pluie est collectée dans ce cône. Elle tombe dans cet objet qui, une fois qu'il sera plein, va basculer. Et on sait que chaque basculement correspond à 0,2 mm de pluie. Et donc, en cumulant le nombre de basculements, on connaît le cumul de précipitations sur l'heure, sur la journée, etc. Maintenant, on va passer à la mesure de température et d'humidité. Là, nous avons deux thermomètres et ici, c'est un hygromètre qui permet de mesurer l'humidité. Alors, aujourd'hui, tout est numérisé et le matériel qui est utilisé se trouve dans cet abri. Alors ici, nous avons plusieurs thermomètres. C'est du matériel qu'on retrouve sur les postes bénévoles. Donc on a ici le thermomètre à mini qui permet de mesurer la température minimale des 24 dernières heures. Celui-ci, c'est le thermomètre à maxi qui lui mesure la température maximale des 24 dernières heures. Et là, nous avons un thermomètre avec un enregistreur. Alors il y a une partie mécanique qui permet de faire tourner ce rouleau de papier de manière régulière. Et puis il y a un petit stylet là qui monte et qui descend en fonction de la température, ce qui permet d'enregistrer les températures sur toute la période. Alors je vais vous montrer maintenant l'abri qui est utilisé de manière opérationnelle pour la mesure de température et d'humidité. Donc voici la sonde qui mesure la température et la sonde qui mesure l'humidité. Les données mesurées par ces deux capteurs sont diffusées toutes les heures. Les paramètres principaux qu'on mesure également, c'est le vent, à la fois sa direction et sa vitesse. Donc la direction est mesurée par un instrument qui s'appelle la girouette et la force par un anémomètre. Maintenant, on va passer à un instrument qui permet de mesurer le rayonnement solaire. Ce capteur est appelé pyranomètre. Il permet de mesurer le rayonnement solaire global, c'est-à-dire que l'ensemble du rayonnement solaire arrive et traverse cette coupelle de verre et ensuite mesurer à l'intérieur. C'est un paramètre qui est important pour les professionnels, qui va permettre notamment d'estimer le gisement solaire, l'évaporation sur certains plans d'eau, etc. En Nouvelle-Calédonie, on a trois radars météorologiques. Un qui est à Thiébaghi, l'autre qui est à Lifou et le troisième qui est à Nouméa au Faubourg Blanchot. Et à partir de ces trois radars-là, on arrive à avoir une assez bonne connaissance des précipitations sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Le principe de fonctionnement du radar est d'émettre une onde dans une direction donnée qui va avoir la propriété d'être réfléchie par les gouttes de pluie. L'onde réfléchie va être à nouveau mesurée par le radar. Et à partir de là, il y a un calculateur qui va déterminer les précipitations dans l'ensemble des directions, puisque le radar tourne, et sur l'ensemble de la... sur une zone qui va de 0 en gros à 200-300 km. Les mesures qui sont collectées dans le parc instruments sont traitées par de l'électronique et sont ensuite transmises donc, au centre du Faubourg. Donc ça, c'est vrai pour la station du Faubourg, mais c'est vrai aussi pour toutes les autres stations de Nouvelle-Calédonie. Elles sont collectées au Faubourg avant d'être rediffusées sur l'ensemble du système mondial de diffusion des données météorologiques et également avant d'alimenter les bases de données qu'utilisent notamment les climatologistes. Une fois toutes ces données d'observation recueillies, encore faut-il les étudier, les traiter, puis les vérifier, avant d'être transmises au supercalculateur de Toulouse et à toutes les stations de la planète. C'est le travail de Jérôme Pollic, qui s'occupe du pupitrage, et Stéphane Henry, administrateur système. Alors en fait, le poste de pupitreur, c'est le point d'entrée à tout ce qui est problème informatique au sein de la DIRENSEE.
Et on fait également la climatologie quotidienne des stations automatiques du territoire. La climatologie quotidienne, en fait, c'est un contrôle quotidien des données que nous recevons tous les jours des stations automatiques. Donc pour ce faire, on utilise un logiciel qui s'appelle ClimSol, qui a été développé par Météo France. Alors en fait, on a toute la liste des stations et on a par exemple du rouge. Donc pour les données en rouge, ce sont les données que nous n'avons pas reçues. Pour tout ce qui est en vert, ce sont des données qu'on a corrigées en fait. Pour tout ce qui est en jaune, ce sont des données qu'on a reçues mais qui sont incomplètes. Donc à ce moment-là, on essaye soit de réinterroger la station, ou soit d'estimer les valeurs. Alors, les stations nous envoient comme données des données de pluviométrie, de température, d'humidité, de vent, de pression, et tous les paramètres météo dont on a besoin au niveau de la prévision. Toutes ces données, en fait, elles servent donc à la division climatologique, elles servent également à la division prévision, et elles sont aussi envoyées sur le réseau, sur le système mondial de télécommunication, le SMT, qui est un système de partage de données, en fait, entre centres météo. Alors, par jour, on traite environ une cinquantaine de stations automatiques qui sont essentiellement des stations de Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna. Pour la pluviométrie, en fait, on a un contrôle spatial. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on fait un contrôle de cohérence. Là, par exemple, ce matin, je me suis aperçu que sur Kumak Aérodrome, on avait 0 mm de pluie et Kumak, qui se situe à moins d'une dizaine de kilomètres à côté, on avait 4 mm de pluie, quoi. Donc là, il y a un petit souci. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai interrogé la division de la climatologie pour qu'eux contrôlent plus précisément ce qu'il en est. Et ils me diront après si la donnée est correcte ou pas. En fait, on a également un contrôle temporel, c'est-à-dire qu'on va avoir toutes les températures sur un certain laps de temps, on peut les afficher. Donc on affiche plusieurs stations qui sont à peu près dans le même endroit et ça nous permet de voir tout de suite s'il y a des petites erreurs de température. Donc là, par exemple, j'ai pris toutes les stations automatiques que l'on a sur le site de Goro et j'ai sélectionné température mini, température maxi avec un petit laps de temps, c'est-à-dire du 2 mars à 0 heure jusqu'à 9 heures du matin. Donc quand je fais valider, en fait, on peut s'apercevoir que les températures sont cohérentes. En fait, elles suivent la même route, enfin la même courbe, en fait. Voilà. Salut Steph. Je t'apporte les données. Salut. À les archiver pour le rapport CatNat. Ben merci. Ok, ben je vais désarchiver ça. C'est pour la clim, tu m'as dit. Voilà, du 24 au 26 février. D'accord. Ah ouais, c'est pour les fortes pluies de la semaine dernière. Ouais. Exactement. Ok, ben écoute, je vais faire ça et puis je les appelle dès que c'est prêt. Ok, bon courage. Merci. Alors les données qui sont recueillies, on les met à disposition des prévisionnistes en premier, donc pour qu'ils puissent faire leur travail de prévision météo. Ensuite, on les envoie également à Toulouse, parce que là-bas, elles sont archivées dans une base de données climatologiques, donc c'est la mémoire du temps, et aussi comme ça, elles sont à disposition pour les gens qui veulent faire des études sur le climat. Et on les met, pour une partie d'entre elles, on les met aussi sur un réseau mondial de partage de données de la météo qu'on appelle le système mondial de télécommunication. Il y a un système de partage de données entre tous les pays membres de l'Organisation mondiale de la météo qui mettent les données qu'ils mesurent à disposition des autres pays et nous, on bénéficie aussi des données mesurées dans les autres pays. Voilà. À Toulouse, les données transmises par le service météorologique de Nouméa vont permettre d'établir des modèles. Et c'est en se basant sur ces modèles que les prévisionnistes vont par la suite pouvoir affiner leurs prévisions pour le caillou. Mais je préfère vous laisser découvrir ce métier tout de suite. Une prévision en météorologie, c'est de prévoir quel sera l'état de l'atmosphère dans le futur. Donc on part d'un état initial, du temps qu'il fait. Et puis on va essayer, à l'aide de pas mal d'outils, de prévoir le temps qu'il va faire. Une de nos missions principales, c'est de prévoir les phénomènes météorologiques dangereux. Donc il faudra qu'on surveille l'atmosphère et qu'on essaie de prévoir au mieux donc, tous les phénomènes dangereux qui pourraient se produire. Et ça, donc, c'est vraiment une utilité de protection des biens et des personnes.
prévoir le temps qu'il va faire, il faut déjà bien savoir le temps qu'il fait. Donc pour ça, il utilise des données d'observation, c'est ce qu'on appelle en météorologie. Donc c'est-à-dire qu'il va utiliser tout un réseau de données qui vont lui arriver sur sa station de travail. Donc il va utiliser des images satellites, des données de température, d'humidité, de pression. On va utiliser des données d'observation de sondage, des ballons sondes. Nous-mêmes, ici à Nouméa, donc on effectue 2 lancers par jour. Voilà, tout un tas de données d'observation qui nous permettent de savoir exactement le temps qu'il fait. Le prévisionniste va regarder par exemple des images satellites. Il va utiliser cet outil qu'on a, ce poste de travail qu'on appelle Synergie, et va afficher par exemple une image satellite sur un domaine assez vaste pour regarder quel type de nuages on a sur la région, dans quel sens vont ces nuages, est-ce qu'on a des orages, etc. Il regarde ces images satellites, il va zoomer un peu plus sur la Nouvelle-Calédonie pour voir précisément ce qui va se passer sur la Nouvelle-Calédonie. Il va également utiliser nos données de radar pluviométriques. On en a 3 en Nouvelle-Calédonie, un Lifou, un Tiebagi et un Nouméa. Donc, il regarde ses observations, il utilise également les données d'observation au sol, qui sont des stations automatiques mesurant la pluie, la température, etc. Une fois qu'il a fait ça, il va utiliser des modèles de prévision. Ces modèles de prévision, donc, il va confronter ces modèles de prévision à ces données d'observation. C'est-à-dire qu'au moment où il regarde le temps qu'il fait, eh bien, il va regarder ce que voit le modèle. Et donc on va afficher des données de modèle de prévision pour le temps actuel. En ce moment, je vois que le vent observé sur la côte ouest est un petit vent de sud 10 nœuds, sur la côte est, c'est un petit vent de sud-est d'une dizaine de nœuds, et je regarde ce que prévoit le modèle. Et on voit que finalement, on a des données qui sont assez bonnes, c'est-à-dire que le modèle de prévision voit un vent de sud de l'ordre de 10 nœuds, un vent qui est plutôt sud-est, sud-sud-est sur la côte est, donc il y a une petite différence par rapport à la réalité, mais elle est générale classique, un modèle n'est jamais parfait, il y a toujours des petites différences. Et le prévisionniste connaît un peu les défauts de ces modèles-là. Donc l'idée, c'est de choisir le modèle avec lequel on va travailler. Donc à l'instant initial, quand on regarde le temps qu'il fait, choisir le modèle qui semble le plus proche de la réalité. Et puis après, lorsque l'on va passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire à la prévision, on va faire défiler les échéances de prévision et on va appliquer des corrections. C'est ce qu'on va après utiliser pour fabriquer nos produits de prévision. C'est la différence avec tout ce qu'on peut retrouver sur des sites en général, puisque les sites dédiés à la météorologie, eux, n'affichent que des données brutes de modèles, des données non corrigées. En fait, on ne regarde pas si le modèle est bon. Ce qu'on fait, c'est qu'on diffuse de l'information. C'est l'apport du prévisionniste. C'est exactement son travail, c'est-à-dire regarder, corriger et puis produire des bulletins en insistant sur tout ce qui peut être dangereux. Comment sont interprétés les phénomènes atmosphériques? Comment sont étudiées les données météorologiques et les variations climatiques d'une année à l'autre, ou d'une décennie à l'autre, ou même d'un siècle à l'autre? Toutes ces questions relèvent du domaine de la climatologie. Je vous propose maintenant de rencontrer un spécialiste en la personne d'Alexandre Pelletier. Alors, déjà, la climatologie, c'est l'étude du climat. Le climat, c'est les conditions météorologiques, le temps qu'il fait, sur une période relativement longue. Donc ça, d'ordinaire, on entend parler de la prévision, et la prévision va concerner des périodes de temps relativement courtes. Quand on parle de climat, on va parler du temps qu'il a fait en moyenne sur 10, 20, et généralement, on choisit 30 ans comme période. Par exemple, on va dire qu'à Koné, la température moyenne vaut 28 degrés, et ça, c'est ce qui a été observé sur une période relativement longue, 30 ans de mesure par exemple. Et la climatologie, c'est l'étude du climat, c'est l'étude du temps, de ses paramètres caractéristiques sur une période relativement longue. Ça peut être dans le passé, mais ça peut être aussi
à l'avenir. Et notamment, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir comment vont évoluer, sous l'effet de l'augmentation de la concentration des gaz à effet de serre, ces mêmes températures à Koné au cours des 30, 60 ou 100 prochaines années. Est-ce qu'il va faire plus chaud que les conditions qu'on observe habituellement aujourd'hui, et dans quelle proportion ? Voilà, c'est ça qui va nous intéresser. Bien ici, ce que l'on fait, c'est que l'on va dans un premier temps contrôler les mesures qui sont effectuées par les capteurs qui sont installés un peu partout sur la Nouvelle-Calédonie. Donc on va contrôler les données et ensuite les exploiter, les utiliser pour le grand public via notre site internet, pour également les institutions, la commission des calamités agricoles par exemple, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie aussi pour la sécheresse, et puis aussi à des fins commerciales. Il arrive que les entreprises du bâtiment se tournent vers nous en fait pour justifier d'éventuels retards sur leur chantier à cause des intempéries, de la pluie par exemple. Et donc voilà, ils vont nous voir pour justement apporter la preuve qu'il a bien plu sur le chantier et que ça justifie le fait que l'entreprise soit en retard par rapport au planning initialement prévu. Une station météo n'est pas seulement un collecteur de données météorologiques. C'est aussi une vigie en liaison directe et 24 heures sur 24 avec les pouvoirs publics qui, le cas échéant, nous et vous informe d'une alerte cyclonique. Pour en savoir plus, retrouvons Philippe Fraissinet, directeur de Météo France, et Christophe Baumann, chef du service opération de la sécurité civile de Nouvelle-Calédonie. Alors la vigilance météorologique, c'est une carte qu'on appelle donc la carte de vigilance, qui est produite deux fois par jour par les prévisionnistes de Météo France et qui consiste à avertir d'un risque météorologique. Donc ce risque peut être en Nouvelle-Calédonie lié à des fortes pluies et des orages, peut être lié à de la forte houle ou alors à des forts vents. Il y a quatre couleurs dans la carte de vigilance. Donc la première, c'est le vert. Donc le vert, il n'y a aucun danger météo, donc ça ne veut pas dire qu'il fait beau, hein. Il peut pleuvoir ou avoir un temps couvert, mais par contre, il n'y a pas de danger météo particulier. Le jaune, déjà, il faut être un peu plus attentif, parce que pour certaines activités qui dépendent un peu de la météo, vous pouvez avoir un impact de la météo sur ces activités-là. L'orange, là, il faut être vraiment vigilant, très vigilant même, parce que la météo, de toute façon, aura un impact sur votre activité. Et le rouge, là, on est vraiment dans un danger météo très très fort. Et à ce moment-là, il faut être excessivement prudent. L'alerte cyclonique est le système d'alerte qui nous permet d'informer la population lorsqu'un phénomène cyclonique s'approche de la Nouvelle-Calédonie. Il se présente en quatre phases. La première phase, la préalerte cyclonique, qui se met en œuvre dès lors que le phénomène rentre dans la zone d'observation cyclonique de la Nouvelle-Calédonie. L'alerte 1, qui se met en route dès lors que le cyclone se situe à moins de 18 heures des territoires habités de la Nouvelle-Calédonie. L'alerte 2, lorsque le cyclone est à moins de 6 heures. Et en dernier recours, la phase de sauvegarde, qui nous indique d'une part que le cyclone est passé, mais surtout qu'il faut rester vigilant puisque des phénomènes peuvent encore être présents sur le territoire, comme de fortes pluies ou comme des vents qui sont relativement forts. Alors cette alerte cyclonique est déclenchée par la présidente du gouvernement. Elle est proposée d'une part par les services de Météo France NC et par les services de la sécurité civile. Après l'analyse des données qui nous ont été fournies, nous proposons à la présidente du gouvernement de déclencher l'alerte cyclonique. Alors deux phases pour la mise à jour de cette alerte. La phase de structuration du plan cyclonique qui peut être revue tous les 5 ans si nécessaire pour l'adapter. Et le phénomène d'alerte cyclonique en lui-même, que nous gérons à la minute, je dirais, puisque lorsqu'un cyclone ou un phénomène cyclonique circule sur les territoires de la Nouvelle-Calédonie, nous surveillons en permanence celui-ci pour diffuser l'information lorsque c'est nécessaire et pour avertir la population. Alors pour les informations à la population, plusieurs types d'informations. Le premier, qui est un communiqué de presse qui est diffusé par les services de la sécurité civile auprès de l'ensemble des médias. Les médias qui sont nos partenaires dans ces moments-là
diffuse sur les ondes, que ce soit sur la télévision, que ce soit sur les radios, voire avec des bandeaux qui circulent sur les écrans, du niveau d'alerte qui est en cours. Alors l'alerte cyclonique est un système qui est chiffré, qui ne vaut que pour des alertes qui sont mises en œuvre par les services de la sécurité civile. Le système de vigilance météorologique est quant à lui pris en compte, géré, diffusé par les services de Météo France NC. La sécurité civile n'intervient qu'à un certain stade de vigilance, qui est en l'occurrence le stade orange, pour renforcer la communication auprès des institutions et acteurs de sécurité civile. La différence est fondamentale entre le système de vigilance météorologique et le système d'alerte cyclonique, puisqu'en système de vigilance météorologique, Météo France NC ne peut que diffuser des conseils de comportement. Ces conseils de comportement, nous l'avons dit tout à l'heure, sont à suivre sur le site de Météo France NC, mais ce ne sont que des conseils. Effectivement, la population peut les lire et peut les prendre en compte ou pas. Lorsque nous sommes dans un système d'alerte cyclonique, la présidente du gouvernement est la directrice des opérations de secours. À ce titre, elle impose des consignes de sécurité qui se doivent d'être respectées et que nous pouvons faire respecter par les forces de l'ordre sur le territoire. Et c'est pour ça que lorsque le phénomène cyclonique est en cours, nous sommes en première position pour diffuser justement toutes ces consignes, tous ces consignes de comportement. La météo en Nouvelle-Calédonie, c'est fini. J'espère que vous en savez un peu plus sur le temps en général et les prévisions en particulier. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro des Coulisses de la science. Et surtout, gardez l'esprit ouvert sur le savoir et la connaissance. Merci de votre fidélité et à bientôt sur NCTV.